Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel, voyante, tarologue, chamane. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi 14 août, et demain c'est l'Ascension, c'est la fête de la Vierge Marie, et pour tous les croyants, je ferai des prières d'ailleurs pour vous et pour tous les gens malades, et normalement j'ai une procession à faire, moi, dans mon petit village, d'un village à l'autre. C'est sympa, ils font ça tous les ans, où on fait une messe en plein air, et ça, c'est pour le coup, c'est une messe que je ne rate pas. Alors, je vais environ à la messe deux fois par an, mais celle-là, j'évite de la rater. Voilà, donc si on croit en la Vierge Marie, c'est le moment de faire beaucoup de prières, et ça devrait normalement être... on a des grâces le 15 août, on a des grâces. En plus, c'est la fête au Muriel, au Mireille, au Marielle. Alors Marielle, c'est une bonne cliente à moi, si tu me regardes, bonne fête Marielle. Et à toutes les Mireilles, bien sûr, les Murielles et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, je vais regarder pour la semaine. Je n'avais pas trop d'idées, je ne sais pas trop quoi faire. Donc on va regarder ce qui se passe un peu sur la semaine. Alors, on a des nouvelles. Et ici, on s'en sort avec les honneurs. Pour ceux qui sont en vacances, écoutez, passez de très très belles vacances. Et pour ceux qui travaillent, eh ben, bon courage. Là, je ne sais pas si vous voyez les cartes, je ne sais pas. Bon. Là, je sais même pas si on voit, là, je suis en contre-jour. Alors, petite voyance de la semaine. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Fin août, oui, on peut dire du 15 au 30. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Vous voyez les cartes, oui. En ce qui concerne les gouvernes qui mentent, on voit ici la méchanceté, toujours. Hein. Nous, on est despotisme à l'envers, pieds et mains liés à une situation. Ici, vous pouvez voir aussi des procès qui arrivent. Il va y avoir pas mal de procès, ça devrait s'ouvrir, ça, avec le temps, peut-être fin d'année, début 2024, sur tout ce qui est les injections de coco et tout ça. Je vois des trucs là-dessus, moi, il y a des procès, il y a des choses à venir là-dessus. C'est ce qu'on peut voir ici. L'argent qui tombe, il y a quand même de la... Il devrait peut-être commencer, hein, je ne sais pas si ce n'est pas pour septembre, octobre. On a une augmentation du SMIC ici avant la fin de l'année, je le ressens comme ça, moi. Il y a une augmentation du SMIC avant la fin de l'année. Et ça, ça représente un homme à l'envers. Ça peut être Manu, mais je crois qu'il est en vacances actuellement. Donc bon. Alors, la quinzaine d'août ou la semaine... Des va-et-vient, ça c'est les vacances sûrement. On nous dit, hein, vous voyez, il y aura des choses de signer au niveau financier en France. Une augmentation peut-être du SMIC ou quelque chose. Il y a quelque chose de signé ici. Mais ce n'est pas pour tout de suite, hein, fin d'année peut-être. Mais si c'est Manu, il a les plaisirs de la vie. Lui ici, la méchanceté venant d'un homme qui tient la tête de l'État. Vous voyez, il est quand même à l'envers cet homme. Il n'est pas si bien que ça. Ça représente quand même l'aigle couronné à l'envers. Il est, si vous voulez, découronné. Il se passera quelque chose cet été. Moi, je le ressens toujours. Est-ce que c'est peut-être des choses qui ne vont pas? On n'est pas au courant de tout, en fin de compte. On est au courant de peu de choses. Des ennemis, vous avez Mars. Mars, c'est le feu, c'est la guerre. Ça. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de feu. Moi, je trouve que ces feux dans ces maisons, quand on voit toutes ces maisons qui brûlent actuellement, je ne parle pas des feux de forêt. Les feux de forêt, la plupart sont faits par l'humain, c'est des pyromanes, c'est des fous, parce qu'ils tuent tout, ils tuent la flore, ils tuent tout. Mais les feux des maisons, là, ces maisons qui brûlent en ce moment partout, là, ça c'est pas normal. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est quasi paranormal. Je ferai peut-être une vidéo sur le feu. S'il me reste du temps, d'ailleurs, je vais peut-être la faire sur ces feux de maison. Hein. Nouvelle de Manu qui est en vacances et tout va très bien pour lui. Vous voyez, augmentation dans le domaine de la profession. C'est pas tout de suite, mais on a une augmentation dans le domaine de la profession. Le SMIC va augmenter pour le travail. Vous voyez, l'amour, les cœurs à l'envers, parce qu'on est toujours, on a toujours des pensées, et ça c'est normal, négatives, vu tout ce qui se passe actuellement. Puis il y a beaucoup de secrets, beaucoup de choses qui se créent ici. On le voit ici avec les procès dans le futur, les ennemis sous un léger retard. Vous voyez, on en aura nouvelle de tout ça. Il y a quelque chose quand même qui éclate quand même au grand jour. Aux USA, c'est la même chose. C'est les choses qui sont en train d'émerger en surface. Il y a beaucoup de choses qui vont éclater aussi. Hein. Et là, la ruine, bien sûr, pour la présidence ici. La ruine, ça ne se passe pas si bien. Je vois toujours quelque chose, moi. Bon, bah, écoutez, espérons que ça se passe. Hein, espérons que ça se passe. L'aigle découronné, si vous voulez. L'aigle découronné sur une ruine, sur quelque chose ici. Je suis à combien, là? Je suis à 4 minutes. Je vais peut-être regarder pour le feu des maisons. Là.
Le feu de toutes ces maisons qui brûlent partout, là, vous avez vu, c'est bizarre, ça. Le feu et aussi ces maisons qui explosent, là. On a eu pas mal cette année de maisons qui explosent, comme ça. Je trouve ça bizarre. C'est pas normal, ça. C'est pas normal, ça, qu'on a des bâtiments en France comme ça qui explosent. Voilà. Alors, ils disent que c'est du gaz, ou sans être complotiste, c'est quand même bizarre, ces feux de maison. Je trouve ça bizarre, moi. Alors, les feux de forêt, bon, pourquoi pas, ça peut être aussi la chaleur, hein, mais... Toutes ces maisons, je trouve ça... Les feux de maison, oui, l'intelligence et la réussite. Donc, ça devrait quand même s'atténuer, là. Hein. Enfin, c'est normal, c'est septembre, hein, mais bon. Si on va aller sur septembre. Alors, est-ce que ces feux de maison qu'on voit partout, les explosions de maisons où il y a des décédés, tout ça, est-ce que c'est normal, tout ça? La fin des plaisirs de la vie, les handicaps, bien sûr, ça handicape les gens, ça fait des décédés et tout ça. Les plaisirs retournés, la clé au centre, qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Ces feux de maison, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est normal? On en a nouvelle ici. Vous voyez, c'est peut-être d'ordre divin, on a quand même une protection divine, mais on a aussi un truc bizarroïde, avec ici le bateau retourné qui représente l'eau, qui représente quelque part la négativité. C'est bizarre tout ça. Je pense que ça serait plus peut-être comme des personnes qui mettraient le feu, ou des attentats maquillés, ou des... Ouais, voilà, des attentats maquillés en accident. Moi, je vois quelque chose comme ça. C'est ce qu'on me dit là-haut. Hein. Attentats maquillés en accident. On aura l'héritage, le bonheur. On est sauvé par Dieu, là. On est sauvé par l'univers, par Dieu, par la source. Grande destinée, la grâce, c'est une grâce. Le bonheur retrouvé sous un léger retard. Ça va se calmer, ça. Mais c'est un peu comme d'habitude, hein, le bien, le mal. Ce sont des choses déguisées. Pour moi, ce sont des attentats déguisés. Toutes ces maisons qui tombent, tous ces trucs comme ça. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi. Moi, je suis en direct de mon jardin. Je suis en vacances, mais vous voyez, je pense à vous, je viens vous voir. Et puis, je reviendrai aussi normalement demain. Le hasard. Et profitez un peu du silence, hein, parce que c'est pas tout le temps. Donc, ça fait du bien quand même de se retrouver comme ça. On se ressource. Alors moi, j'ai un temps qui me va très bien. Là, il fait ni trop chaud, ni trop froid. C'est parfait pour moi. Vous pouvez peut-être apercevoir même ma chienne qui marchait, je ne sais pas. Elle est derrière, là-bas. Je vous fais des grosses bises à tous. Vous pouvez liker ma page, vous abonner ou la partager. Je vous dis à demain, je vous embrasse bien fort. Au revoir.